Preciosa se plaint auprès de Liliana car elle n'a pas les moyens de payer sa chambre. Liliana lui conseille de faire autre chose que du design pour gagner plus d'argent. Barbara est choquée d'apprendre que sa sœur sort avec Kim, le gardien de sécurité de l'un des supermarchés qu'elle coordonne. Martha et Francisca en viennent aux mains sous les yeux d'Eduardo qui lui interdit de frapper sa fille à nouveau. Kim et Mafalda dînent et s'efforcent de faire la conversation mais n'ont rien à se dire. Ils se rendent compte qu'il n'y a que le sexe entre eux. Gabriel se rend compte que ses parents sont en difficulté financière et estime que les cours qu'il suit à Londres leur coûtent beaucoup cher. Francisca tente de se justifier mais Eduardo est furieux. Teresa est triste car elle ne peut pas rester chez Francisca car elle sait que Pilar n'aime pas sa présence. Daniela se remémore un souvenir douloureux, tandis que Clara reproche à son père de lui interdire de voir ses petites sœurs. Au moment de la déposition, Manel s'assure que Clara ne fait pas partie des voleurs. Daniela et Eduardo racontent ce qui est arrivé à Francisca et Martha. Francisca fait semblant d'être inquiète et profite de la fragilité d'Eduardo pour faire la paix avec lui. Wolf rassure Alfonso qu'il est désespéré. Cela empire quand Ricardo explique qu'Eduardo et Daniela étaient dans l'orfèvrerie.